Samedi 24 juin 2017, le texte du jour. Aide-moi là où j'ai besoin de foi. Marc 9, verset 24. Pour développer la foi, la volonté ne suffit pas. La foi est un aspect du fruit de l'Esprit Saint. Il est donc sage de prier pour recevoir davantage d'Esprit Saint, comme nous le conseille Jésus. En effet, il promet que le Père donnera de l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Luc 11, verset 13. Quand nous avons acquis une foi solide, nous devons la maintenir à ce niveau. La foi pourrait être comparée à un feu de bois. Au début, ce peut être une belle flambée. Mais si personne ne s'en occupe, il se transformera en braise qui, à leur tour, deviendront des cendres. Par contre, régulièrement alimenté, il peut durer indéfiniment. De même, notre foi peut rester vivante si nous l'alimentons régulièrement de la parole de Dieu. En étudiant continuellement la Bible, nous pouvons développer un amour intense pour ce livre et pour son auteur. Cet amour nous permettra d'acquérir davantage de foi.